Au Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, les prix des produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur aux différents marchés et magasins de Bukavu ces derniers temps. Un sac de riz de 25 kg qui se vendait à 17 $ revient aujourd'hui à 20 $. Un sac de farine de manioc de 50 kg se vend maintenant à 19 $ au lieu de 15. Un sac de braise se vend à 20 $ au lieu de 15 $. Un bidon de 20 litres d'huile végétale se vend à 30 $ au lieu de 25. Presque tous les produits manufacturés, logis, boîtes de conserve, ont connu une majoration des prix. Suite à cette hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché, les habitants continuent à souffrir chaque jour, surtout les habitants moins nantis. Pour les parents qui ont beaucoup d'enfants, en arrivant au marché, ils ne savent pas à quel sein se vouer, comme ils s'expriment ici. C'est vrai, voilà, c'est ma vie qui n'a pas de pays. Ça n'a pas de pays, parce qu'il faut comprendre comment il est le pays, parce que tout le monde m'a fait une bonne année. Vitu vinapanda kabisa. Hatujua donga tunashika kukomprandre sedi ya kwa paske mafete zilisha pita. Mina toka saa imusoko ya nyama. Avec 10 dolare 20 mil fra. Ni nyama kidogo sana. Alo tunashikuwa na juuliza avec menaje deja ya ba toto wa mingi. Tunashikuwa emea shiba mama. Mesaje tunapana kwa viongozi na njikikaza kwanza wa stabilize to ya exchange. To de exchange nina tuma vitu vinapanda. Watusaidi wa shushe kwanza barabatre to ya dolare. Bakistabilize inawezekana bachuruzi nao batashusha bei. Anauzisha mufra, sana uzisha kubei ya chini, anauzisha kubei ya chini. Nesai nda tafuta dolare kule, barampigia kutoa ya 2020, 2030. Seisa kifo kebitu minapanda kukose ya free. Ba autorite bakamate responsabilite za wame, bangalie kuma baneza kurabatre to ya dolare kwanza. Kwa wengina wamenajer, siyo mesaje kani meza kuwapatia. Juste ni kujia adapte kuto dijuru. Pasi hakuna tena gisi mtu wakule nyama kwa kujia. Kimbie kundagara, unachanga na lenga-lenga. Basi, achake se mwae, achake se ku. Tutakula vile atuna kia kufanya. Meviongozi batusaidie. Masi wakili munguwa politike tu. Batusaidie, tunateseka shima basi klasi. Batusaidie. L'État a une mission aussi de pouvoir réglementer les prix au niveau de la ville, mais aussi au niveau du marché. Mais il s'observe que chaque client qui vend ses marchandises, il fixe les prix à gré. Ça revient au ministère de l'économie qui est censé de pouvoir fixer les prix de chaque produit au niveau du marché. Mais aussi, vous savez que nous sommes dans une période à Covid-19 et beaucoup d'entreprises ont connu beaucoup de problèmes, des problèmes de taxes, et tout cela, ça peut aussi impacter à ce que les prix puissent hausser. Mais aussi, vous allez retrouver qu'au niveau des territoires où on devrait amener, où la nourriture devrait quitter le territoire pour venir au niveau de la ville. Les routes sont tellement délabrées et tout cela peut conduire à ce qu'aujourd'hui, que le prix de la nourriture puisse monter au niveau de la ville. Le message qu'on peut adresser d'abord aux commerçants, de savoir que quand nous achetons ou quand nous vendons des choses, nous devons savoir que nous vendons à notre population. Et la population aussi souffre. Il faut éviter de pouvoir chercher à gagner beaucoup autour de la population. Mais aussi aux dirigeants, c'est très normal que les dirigeants puissent nous aider à pouvoir réhabiliter des routes et des terres agricoles. Que les gens trouvent le moment d'aller cultiver. Qu'il y ait aussi, que la nourriture puisse avoir, puisse quitter sur les bassins de production pour arriver au niveau de la ville. Vous savez aussi que l'exode rural, beaucoup de gens ne vivent plus dans les territoires. Il y a des gens qui ont quitté les territoires à cause de l'insécurité. Et vous trouvez qu'il y a exode rural. Les gens qui devraient cultiver au niveau du village, tous sont des gens au niveau de la ville. C'est ce qui crée aussi des crises, c'est ce qui crée assez la nourriture hausse. Et vous allez retrouver aussi qu'au niveau des frontières, on a fermé des frontières à cause de cette pandémie. Et on pouvait recourir à l'extérieur du pays pour acheter à manger, comme on était dans les années passées. Mais pour le moment, on ne peut plus y aller et cela peut impacter aussi au prix des arrêts alimentaires. Et c'est observé dans notre vie, quand il y a la hausse, prix de beaucoup d'histoires et de première qualité, il y a le problème est dit, et on manque d'abord d'amour de certains opérateurs économiques. Et deuxièmement, notre gouvernement qui ne veut pas prendre sa responsabilité. Parce que les commerçants font la loi à la place de notre gouvernement congolais. Dans d'autres cieux, c'est le gouvernement qui gère.
qui donne la modalité à suivre aux commerçants. Mais ce n'est pas ici chez nous. Chacun fait sa loi. Et c'est ainsi que nous, la population, le bas peuple, nous sommes pénalisés, nous sommes marginalisés. Mais comme nous n'avons pas quoi dire, il n'y a pas l'autorité de l'État, alors chacun fait ce qu'il veut. Et nous voulons demander à notre population que les commerçants puissent avoir l'amour de la population, l'amour de la patrie. Nos commerçants veulent s'enrichir au lieu de travailler, au lieu d'exercer leur travail en amour, et font ça pour pénaliser les autres et s'enrichir au don des autres. Or, ça, ce n'est pas bon. Et les commerçants aussi, ils ont aussi raison, tout à fait normal. D'une part, ils ont raison parce qu'ils ne sont pas promis par notre gouvernement. Il y a multiplicité de taxes, il n'y a pas de guichet unique. Donc, ils sont aussi délaissés. Ils sont délaissés par notre gouvernement. Et nous voulons à ce qu'en 2021, que l'État puisse bien organiser, que l'État puisse prendre en charge sa responsabilité. Et ils sont là, ils sont distraits avec les histoires là de partage de pouvoir. Ici, au niveau des bas peuples, nous sommes pénalisés. Au lieu de faire ce qu'ils devraient faire, rendre service à la population. Et ils sont là pour chercher des intérêts un peu égoïstes qui n'aboutira à rien comme objectif à nous, les bas peuples. Ainsi, nous demandons que le gouvernement et la FEC, disons, qui est l'organe un peu qui gère les commerçants, puissent se mettre ensemble, puissent avoir un peu d'amour à leur population qui est. Certains commerçants contactés par le reporter de Léon Jolé au site Kivu ont précisé que cette hausse de prix est liée au taux des dollars, aux fabricants eux-mêmes qui augmentent les prix, mais aussi à la multiplicité des taxes aux frontières par des services non autorisés, comme il nous précise ici M. Fabien Binja, gérant du marché de Nyawera au site Kivu. La hausse des prix des denrées alimentaires au sein du marché. Et il y a plusieurs variantes, notamment la première chose, vous voyez, avec la pandémie à coronavirus, et il y a un problème par rapport à l'approvisionnement des petits vendeurs et vendeurs, parce que la plupart et la majorité de ces approvisionnent au Rwanda. Alors, quand il y a eu un blocage au niveau de la frontière, et cette situation a fait assez que les prix puissent aussi, étant donné que les petits vendeurs qui traversaient, n'ont plus l'accès de traverser et commencent à acheter des marchandises par téléphone, et cela a occasionné la hausse des prix. Deuxième des choses, vous voyez aussi, il y a un problème de taux d'échange qui est en train de hausser chaque jour, c'est-à-dire on était à 1600, aujourd'hui on est à 2020. C'est une situation aussi qui a fait assez que les prix des denrées alimentaires puissent hausser au niveau des marchés. Et surtout quand nous sommes aussi à la fin de l'année, quand on est à la fin de l'année, et tout celui qui a épargné quelque chose, il a l'envie de vouloir s'approvisionner, envie de fêter les festivités de la fin d'année. Tout ça a fait assez que les prix des denrées alimentaires puissent aussi. Regardez les 1 kg de riz qui était à 1500 et varié directement à 1800. 1 kg de viande qui était à 6000 est arrivé directement à 10 000 francs. Et des poulets et consorts. Donc, c'est une situation qui a été justifiée par plusieurs variantes. Au niveau de la FEC, nous avons décrit une situation qu'on n'a pas pu comprendre parce qu'on avait vu, étant donné que Santé qui ont le monopole de vendre des marchandises détaillées à détailler, ils ont haussé les prix comme ils se veulent. On a vu le ministère de l'économie s'impliquer, mais on n'a pas eu de gain de cause parce que. À un certain moment, ils parvenaient même à fermer les dépôts là où les petits vendeurs s'approvisionnent. Et quand ils ferment les dépôts, les petits vendeurs sont obligés d'acheter à un prix qu'ils ont fixé, même ça pour autant respecter la réglementation au niveau du ministère de l'économie. Mais c'est Janvier Makombe Kabare, le président de la Ligue des consommateurs de Congo-Kinshasa, Likoski Ansik, demande aux autorités de réglementer les taux de change sur le marché et de mettre fin à la multiplicité des taxes aux frontières et de faire respecter le nombre de services habilités pour faire payer les taxes. Vision Verte qui travaille en collaboration parfaite avec la Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa, qui voudrait encourager les opérateurs économiques à investir dans les secteurs agricoles.
Il est anormal que chaque année, lorsque nous approchons les festivités de Noël et de fin d'année, que nous puissions dépendre essentiellement des denrées alimentaires qui nous viennent de l'extérieur, qui nous viennent du Burundi, qui nous viennent du Rwanda, qui nous viennent de la province voisine de Goma, Nord Kivu, qui nous viennent du Pakistan, qui nous viennent de je ne sais où là, tous les riz que nous consommons là, hein, les madés ou les haricots, pommes de terre, par-ci, par-là, ça nous vient de très loin. Et cela, ça s'appelle extraversion de l'économie congolaise. Maintenant, lorsque nous approchons les fêtes comme ça, il y a les opérateurs économiques qui jouent à la spéculation, qui disent, ah voilà, on approche les fêtes de Noël et de Nouvel An. Non, je vais me faire des stocks parce que je sais qu'il y aura beaucoup de consommateurs qui viendront acheter. Et cela va jouer sur les prix. Parce que là où peut-être 3-4 consommateurs passaient pour acheter, ça ne peut pas être la même chose lorsqu'il y en a 100 ou 200 qui viennent acheter. Cela entraîne la hausse des prix. Ça, c'est d'abord le premier phénomène qui explique cette hausse des prix sur les marchés. De deux, je vous ai parlé de la spéculation. Il y a également les opérateurs économiques qui croient qu'ils peuvent s'enrichir en un jour ou deux jours. Non, Noël ou Bonana, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faudrait pas que nous, hommes opérateurs économiques, nous puissions nous enrichir sur le dos des pauvres consommateurs en haussant les prix de manière vertigineuse. De trois, vous voyez, il y a ce phénomène où la loi de l'offre et de la demande, cela aussi joue sur les prix. Et c'est pourquoi nous, en tant que Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa, nous sommes en train de dire aux compatriotes congolais de ne pas négliger les secteurs de l'agriculture, de ne pas aussi négliger les secteurs d'investissement pour que nous ayons des opérateurs économiques qui cessent d'être des commerçants éternels, qui vont chaque fois à Dubaï ou c'est pas en Chine pour nous amener des bitingues, des pains ici. Ça ne peut pas créer la croissance économique, ça ne peut pas amener les pays à pouvoir créer de l'emploi. Non, nous avons plutôt besoin des opérateurs économiques qui créent des petites industries, des transformations, pourquoi pas, des denrées alimentaires, des transformations, pourquoi pas, des minéraux, des transformations en ceci ou cela, en produits finis. Et cela va enregistrer une certaine valeur ajoutée sur l'économie congolaise. Voilà au fait ce que nous prenons. Et c'est pourquoi là, il y a une phrase chère à la Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa qui dit « Produire et consommer local sont des actes relevants de la citoyenneté responsable. » Et nous voudrions que le gouvernement, au niveau national et provincial, puisse faciliter aux opérateurs économiques des mécanismes qui les amènent à comprendre que non, le climat des affaires est assaini pour investir assez. Et lorsqu'on a investi assez, nous avons beaucoup de PMI, nous avons beaucoup, c'est pas quoi, des entreprises qui transforment des matières ici. Je vous assure que nous allons donner de la valeur à notre monnaie, nous allons donner de la valeur à notre économie, nous allons exporter, nous aurons beaucoup de devises. Et notre monnaie aura une stabilité, notre monnaie aura une certaine valeur. Voilà en fait ce que je pourrais dire. Mais aussi peut-être pour chiter, je sais que les opérateurs économiques, lorsqu'ils haussent les prix, ils ont du mal à faire descendre ces prix-là. C'est ça le plus grand problème que nous avons. Donc lorsque vous allez au marché, les jours de Noël, donc après Noël, les gens ont tendance à continuer à vendre au même prix. Même aussi par rapport à la fin de l'année. Tu vois, et tout ça, c'est une mentalité qui ne facilite pas aux consommateurs congolais de vivre. Hein? Il est en train de vivoter, il n'a pas un pouvoir d'achat qui lui permet de nouer les deux bouts du mois. Donc vraiment, nous vous demandons aux dirigeants du pays de pouvoir s'activer, de concevoir des politiques agricoles, des politiques économiques, hein, des politiques d'investissement qui encourage les investisseurs locaux, provinciaux, nationaux et étrangers. Parce que nous en avons besoin ici chez nous pour bâtir une économie forte. Une économie dont la richesse va être redistribuée sur l'échiquier national et que chaque consommateur congolais où il est, dans chaque province, il sente que non, le pays est bien géré. Le pays est bien administré, l'économie est en train de fleurir et c'est ce que nous sommes en train de demander
au premier citoyen de ce pays, qui est son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi.